Hello les filles, alors dans cette vidéo, je vous montre comment je me maquille pour les soirées en vacances. Alors c'est parti, je voulais vous montrer les nouveaux produits de chez Becca qui sont sortis depuis très peu chez Sephora. Ce sont en fait des highlighters, donc là c'est un highlighter liquide que je viens mélanger à mon fond de teint qui est La Roche-Posay en ce moment. Et en mélangeant les deux, vous avez un teint lumineux, franchement c'est trop joli. Ça faisait longtemps que je voyais les produits Becca sur les chaînes américaines et là, enfin, ils les ont sortis chez Sephora en France. Donc je suis trop contente. Alors là, je mets un petit peu d'anti-cerne. J'en mets beaucoup moins depuis que Christina des Reines du Shopping m'a dit que j'en mettais trop, hein. Et je viens matifier le tout avec ma poudre transparente de chez ELF. Ça permet de pas briller, surtout quand il fait chaud. Donc là j'utilise un highlighter toujours de chez Becca, regardez-moi ça, il est trop joli. Celui-ci il est crémeux et il s'applique aux doigts, bon on voit la trace de mes doigts dedans, je sais. Il y a celui-ci aussi que j'ai reçu et je suis dégoûtée, j'avais envie de pleurer quand j'ai ouvert le carton parce qu'il était cassé en mille miettes. C'est un highlighter aussi de chez Becca mais cette fois-ci en poudre, il a l'air super joli mais bon, tant pis je peux pas l'utiliser. Donc là, je vous montre comment je mets celui en crème. Voilà, j'applique au doigt, au-dessus des pommettes. Et ça brille, quoi. C'est trop beau. Et vous pouvez aussi en mettre au niveau du dessus de la lèvre. Voilà, ça fait tout son effet. Je vous mets les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir. Ensuite, pour les yeux, je vais utiliser une petite palette de chez Clarins. C'est la nouvelle palette de la collection de cet été. Donc c'est la seule palette que j'ai emmenée avec moi en vacances. Elle est petite, donc pratique. Les couleurs sont vraiment bien et voilà, j'en suis hyper satisfaite. Donc là, je vous montre un petit dégradé avec... j'adore cette couleur orangée. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est vraiment trop belle. Donc je crée un petit dégradé avec cette couleur orangée. Et puis je mets un petit peu de marron aussi dans le coin externe pour faire un léger, vraiment très léger smoky. Alors excusez-moi si je brille un petit peu dans cette vidéo, si je fronce beaucoup les yeux, mais en fait j'étais en Tunisie, il faisait 40 degrés, j'étais en plein soleil, j'avais le soleil dans la tête, c'était horrible. Mais je tenais vraiment à vous filmer ce tuto en fait pour vous montrer réellement mon maquillage de vacances en vacances, avec un beau décor derrière, voilà, avec la mer, c'est trop beau. Donc là j'utilise la couleur la plus claire de la palette et je la mets en dessous de mon arcade de sourcilière. Je trouve que ça rehausse le regard, les sourcils. Et pour le mascara, j'avais emmené le Big Shot de Maybelline. Voilà, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il apporte beaucoup de volume. Il n'est pas très cher, il se trouve en grande surface. Voilà, donc c'est nickel. Et pour les lèvres, j'adore porter mon Smashbox. Il est d'une couleur un petit peu... orange, j'aime beaucoup un corail mais flashy, il est trop beau donc pour les soirées d'été en plus bronzé, je trouve que ça rend super bien. Je vous mets également le lien en barre d'infos si ça peut vous intéresser, mais c'est vraiment un de mes rouges à lèvres coup de cœur. Et voilà pour le make-up, c'est terminé. J'espère qu'il vous plaît, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. En ce qui concerne la coiffure, j'avais remonté un petit peu, c'est ce que je fais beaucoup en ce moment, le dessus en demi-bun, half-bun, et je boucle un petit peu le bas. Donc je vous mets l'appareil que j'utilise pour boucler mes cheveux, faire des grosses boucles comme ça. C'est un appareil chez Amazon, pas cher du tout, je l'ai payé 20 € il me semble. Et pour la robe, elle vient du site Hades, donc je vous mets également le lien en barre d'infos, mais vous l'avez déjà retrouvé dans mon lookbook précédent des vacances. Voilà, donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.